Dieu lui a donné le père. Quelle jalousie! La jalousie pour laquelle il ne voudrait pas voir son peuple marcher tantôt vers le Seigneur, tantôt vers le diable. Je ne sais plus où, mais dans les livres des Esaïe, je vais répéter sa vie parce que j'avais.
Tu vois, frère, ça y est là. De l'autre côté, j'ai mis 1 Timothée 2, 12 à 13, ça y est là. Dans l'Ancien Testament. Et tu sais quoi? C'est dans l'Ancien Testament, on parle de ce que l'on peut dire, mais des gens, pas des barbèches. Ésaïe 3, verset 12. Mon peuple a pour oppresseur des enfants et des femmes dominent sur lui. Mon peuple, ceux qui te conduisent tes gardes et ils corrompent dans laquelle tu marches. Frère Pierre, ça ne parle pas des églises où les femmes enseignent. Mon peuple a pour oppresseur, c'est pas un oppresseur, le dictateur, n'est-ce pas? Mon peuple a pour dictateur des enfants. Il est question que d'un pasteur qui est enfant spirituel, pour faire passer sa femme ici. Ancien, j'ai tort. Maintenant écoutez. Et des femmes dominent sur vous. 1 Timothée 2, 12 à 13. Je ne permets pas à la femme d'enseigner et de prendre de l'autorité sur l'homme. C'est pas ça. Amen. Prendre de l'autorité. Ce n'est pas dominé. Et ils ont dit, des femmes dominent dessus. Pour que je te donne ce texte, pour que je te donne la vie. C'est très simple. Tu réécoutes tout simplement l'enseignement sur YouTube, tu vas trouver le texte. Depuis l'Ancien Testament, on en parlait déjà, frère. Mais là n'est pas le problème. Mon but, c'est de vous garder avec la parole. Je suis animé d'une jalousie de vous, d'une jalousie spirituelle, parce que je vous ai fiancé à un seul époux, c'est Christ, et non des pasteurs. Riche ou puissant. Car je suis jaloux de vous, une jalousie de Dieu, parce que je vous ai fiancé à un seul époux pour vous présenter à Christ comme une vierge pure. C'est ça le but de l'évangile. Enlever en vous tous ces ajouts-là.